ça hier, ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus. Elle a jeté ça hier entre le fromage et le dessert comme un canard à la mer. Je crois que je ne t'aime plus. Ta peau et du papier de verre sous mes doigts, sous mes doigts. Je te regarde et je pleure juste pour rien, comme ça, comme ça. Sans raison, je pleure à gros bouillon, je pleure comme devant un lion, je pleure. Arrêtons là. La la la, la 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 la. Elle m'a dit. Salut à tous, c'est Eric Legault chez Galago Musique. Aujourd'hui pour vous, le morceau Elle m'a dit de Kali, que vous trouverez sur son premier album, L'amour parfait, sorti en 2003, qui est hyper cartonné et tout, à la sortie. De dingue. Donc, dans ce titre, vous trouverez à la main gauche 6 accords, c'est pas encore trop ça la difficulté. C'est plus les rythmiques qui sont assez soutenus, hein, comme vous avez pu le constater. Donc, j'ai fait une version acoustique, c'est-à-dire j'ai écouté bon, la version album, et j'ai essayé de repiquer la partie de batterie, et j'ai essayé de l'intégrer en fait là-dedans, de manière à ce que ça fasse quelque chose d'assez péchu, qui fonctionne bien, qui tourne bien, voilà. Donc, pas plus de suspense, attaquons tout de suite. Alors, le premier accord, c'est un mi mineur. Bam! Vous utilisez les deux doigts du métal, c'est de la majeur annulaire, vous les placez sur deuxième case de la corde de la, deuxième case de la corde de ré, et vous grattez tout. Si l'étape des accords vous saoule ou vous les avez déjà chopés, pardon, dans la démo au départ, allez sur le site, vous téléchargez la partoche, il y aura déjà tout le découpage et vous avancez un petit peu. Si je fais le détail et que je dis à chaque fois vous appuyez sur la troisième case de machin truc, c'est parce que j'ai des élèves non voyants que je salue d'ailleurs, bonjour tout le monde, et que voilà, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà. Donc le corps suivant, c'est le do majeur, annulaire sur la troisième case de la corde de la. Majeur sur la deuxième case de la corde de ré et index sur la première case de la corde de si. Vous bloquez le gourmier avec le pouce. Si vous avez une guitare classique et que le manche étant un peu plus large, vous n'arrivez pas à choper avec le pouce, tant pis. Vous gardez tout comme ça. Ensuite, l'accord de sol majeur, vous pouvez faire comme ça si vous le connaissez. Troisième case de mi, deuxième case de la. Annulaire, troisième case de si, petit doigt, troisième case de la corde de mi. Ou bien ce positionnement-là fonctionnera pareil, hein. C'est-à-dire annulaire en 3 du mi, majeur en 2 du la, et petit doigt tout seul en 3 du petit mi. Ensuite, nous avons un ré majeur, le petit triangle, le pouce par-dessus le gros mi pour bloquer. Ensuite, deuxième case du petit mi, troisième case du si, deuxième case du sol. Après, du la mineur. Pareil, le pouce reste à sa place par-dessus le gros mi sans trop appuyer. Ensuite, index, première case de la corde de si, et corde de ré et sol, deuxième case et deuxième case, avec majeur et annulaire. Et pour terminer, le si septième, qui est un petit peu relou au départ. Deuxième case de la corde de la avec le majeur, première case de la corde de ré avec l'index, deuxième case de la corde de sol, et deuxième case de la corde du petit mi. Et voilà, on a fait le tour de tous les trucs de main gauche. Maintenant, attaquons vraiment le détail de la droite. Alors, pour l'entrée du morceau, on a une espèce de petit riff rythmique, comme ça, hyper stylé, qui fait ça. Oh, yes, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va falloir que vous ayez un poignet assez souple, hein, pour tenir la vitesse, tout ça, tout du long. En tout cas, pour ce premier truc, c'est bas, bas, bas. Vous grattez un peu dans les graves, parce que sinon, ça va pas faire terrible. Plutôt dans les graves, donc petit mouvement. Moi, ma technique, c'est de sortir un peu le poignet, comme ça. Ça, c'est un peu comme si ça, c'était le diamant d'un phono, vous voyez? Et du coup, c'est plus le bras qui bouge, c'est le poignet qui fait juste ce petit mouvement-là. Testez, vous verrez, vous pouvez faire ce mouvement-là. Et donc, ça donnerait ça. Bas, bas, bas. Les deux bas, bas, là, c'est plutôt la corde demi-grave. Là, c'est les 3-4 premières cordes. Et l'arrivée. Deux fois le gros mi. Et après, vous jouez le mi mineur en entier. L'attaque à la Renault, le ta-ta-tin, ta-ta-tin, ta-ta-tin. Donc du coup, ta-ta-tin, ta-ta-tin, 3, 4, ta-ta-tin, ta-ta-tin, 3, 4, et rapidement, 3, 4. Voilà, donc c'était le départ, on est content. Donc on attaque, alors ça là je l'ai appelé intro et transition, parce qu'on va le trouver tout au début, et parfois en guise de... intercalaire comme ça entre certaines parties. Nous attaquons la partie A, la partie du couplet. Les accords qu'on va trouver dedans, c'est donc le mi mineur, après le do, après le sol et après le ré.
La rythmique en question, c'est la rythmique que j'ai notée avec un gros 1 en chiffre romain qui donne ça. Alors je vous la fais sans les accords. Oui. Alors, ce qui compte, c'est de retenir la petite chanson que ça fait. Avec les bas, les machins, le découpage. Ba, ba, au bas, ba, au. J'ai oublié l'accent. Ba, ba, au bas, ba, au bas, au bas, au bas, au bas, au. Concentrique sur la rythmique, là sur la partoche, il y a des petits trucs comme ça, ce sont les accents qu'il faut vraiment mettre en avant, parce que c'est ça qui sort en fait. C'est le ta, 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 ta. C'est pas facile, hein? Ba, ba, au bas, ba, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, ba, au bas, ba, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. De manière à ce que ça puisse donner, donc toute cette rythmique fait une mesure. Nous avons une mesure de chacun de ces accords à la main gauche. Ba, ba. N'hésitez pas à insister sur les accents, en faisant un petit mouvement comme ça, de... physiquement, ça peut aider, quoi. Dernière fois, pas vite. Ba, ba, au bas, ba, au bas, au bas, ba, au bas. Et là, vraiment l'accent, hein, parce que sinon, ça va faire un truc un petit peu plat. Ba, ba, au bas, ba, au bas, au bas, ba, au bas. Voilà. Donc là, on sait faire le couplet. Je vous le fais une fois, pas vite, avec les accords. La partie A, donc un. Oui. Ba, ba, au bas, ba, au bas, au bas. Ensuite, le dernier retour de votre rythmique, vous enlevez les doigts à la main gauche. Ha! Comme ça, vous arrivez pile poil à l'heure sur la corde après. Ba, 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 ba. Hop, j'enlève tout, le sol. Voilà. Et ensuite, on verra la structure vite fait, machin, pour savoir combien de fois on fait chaque partie. Mais voilà. D'ailleurs, le tout premier couplet, on n'a pas la rythmique tout de suite, c'est juste un accord par mesure. Genre. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Il refait la même chose avec la rythmique. Voilà. Ensuite, nous avons la partie B, le pré-refrain, qui fait une mesure de Do majeur, une mesure de La mineur, une mesure de Do majeur, une mesure de La mineur. Donc sur ce pré-refrain, en fait, c'est des accords qui sont piqués, c'est-à-dire ça va être 4 noirs par mesure. Et pour faire l'aspect piqué, l'aspect staccato en italien, je vais tout de suite, dès que j'ai gratté, arrêter le son avec la paume de ma main droite. C'est ça l'astuce. Avec les accords ouverts, on est obligé de faire ça avec les barrés. Il suffirait d'enlever la pression. Mais là, on ne peut pas, il y a des cordes à 8. Si on enlève juste la pression, ça fait dégueu. Donc, c'est vraiment tout de suite après. Sans raison, je pleure. À gros bouillon, je pleure. Comme devant un million, je pleure. 2, 3, 4. Ce dernier La mineur, on le tient. Et on se dirige vers le refrain, la partie C. La partie C qui a dans son contenu le sol majeur, le mi mineur, le do majeur et le la mineur. Donc là, on arrive sur la deuxième rythmique, la rythmique que j'appelle country, qui fait un truc comme ça. Alors c'est ça, voilà, justement, que j'ai repiqué de la batterie, en fait. Je crois que la guitare fait un truc un petit peu différent, mais je pense que pour une session acoustique comme ça, c'est pas mal d'essayer de faire, de prendre tous les éléments... d'orchestre et essayer de les intégrer sur un seul instrument. C'est le challenge. Alors, la rythmique en question, on ferait ça.
tagada, 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 tagada. La ruse, c'est que j'ai ajouté également la ligne de basse. C'est pas exactement note pour note ce que fait le bassiste, mais c'est l'idée. C'est-à-dire, je vais alterner les basses. On va commencer donc sur le sol majeur. Je vais faire à chaque fois sur le coup bas, enfin la croche là, que vous constatez dans la rythmique, je chope une fois par exemple sur le sol majeur le gros mi, ensuite je fais le bas haut, ensuite le prochain coup vers le bas, j'essaie de choper la corde de là. Évidemment. Dans le détail, ça donnerait ça quoi. C'est ça, mais c'est très vite. Bref. Alors donc, on aura donc sol. Bah, je vous fais ça sur tous les accords. Sol majeur, mi mineur. Je chope pareil le gros mi d'abord. Corde là. Le do. Alors sur le do, on pourrait aller chercher la note du dessus, pareil. La corde de la en premier, suivi de la corde de ré. Ou bien pour ajouter un peu de timbre grave, vous pouvez éventuellement avec le petit doigt appuyer sur la note sol, troisième case du gros mi. Ou bien, si le petit doigt vous embête, vous alternez avec l'annulaire qui bougerait. Mais c'est un peu plus périlleux parce qu'il ne faut pas que la corde de la elle sorte, sinon ça fait un accord de la mineur 7 chelou. Donc plutôt. Et après la mineur, donc là c'est la corde de la. Pareil, je pourrais aller chercher la corde du dessus, la corde de ré pour l'alternance, mais je vais plutôt choper le mi à vide. Super clean, quand vous faites le la mineur, donc la première attaque sur la corde de la, vous bloquez avec le pouce le gros mi, vous relâchez le pouce pour l'attaque du mi, et vous remettez le pouce en même temps que vous réattaquez le la. Comme ça, ça fait vraiment une ligne de basse très claire. Donc, pas vite, tout le refrain, sol. Ça un petit peu plus vite, parce que là on se dit est-ce que c'est bien ça. Je crois que oui, sol, un petit peu plus vite donc. Je vais prendre ce tempo-là et je vais augmenter progressivement. Ah, c'est assez chambé. Alors par contre, il faut que vous bossiez vraiment bien l'attaque des notes, hein, l'attaque des basses. Vous le travaillez en regardant un petit peu à la main droite, la main gauche n'est pas très importante. Je pense que vous attaquez ce morceau de niveau 4 si vous connaissez déjà ces accords ouverts. Et le but du jeu après, c'est d'essayer de faire en sorte de ne plus avoir besoin de regarder du tout. Donc si vous en chopez une ou bon, essayez de le faire le plus propre possible, voilà. C'est le refrain. Et le pont. Alors le pont, on va... Pardon. On va retrouver la première rythmique, là, avec les accents un petit peu sur lesquels il faut bouger. Je vous la refais, cette rythmique. Les accords de ce pont. Sol majeur, si septième, mi mineur et do. Une mesure de chaque. Donc toute la rythmique sur chacun de ces accords. Thank you.
Donc c'est pour ça que le poignet doit être extrêmement souple. Sinon, si vous jouez comme ça, vous tiendrez pas une minute, je pense. Et puis ça peut être joli, ça va faire vraiment des attaques très très fortes. Donc très très souple. Le médium, vous le tenez fortement. En revanche, le reste, wouhou, c'est hyper flex. Voilà, on a vu les 4 parties, il me reste à vous le jouer. Ouais, je vais vous faire du début en fait, en essayant de pas me planter. Parce que lentement, c'est jamais très évident quand on est un petit peu dans le réflexe comme ça. Ok, voyons le récapitulatif du morceau. Récap et fin, allons-y. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus. Elle a chuté sa lumière. Elle me redescend comme mon cadavre à la mer. C'est pas fastoche comme mon cadavre à la mer. Il refait un petit coup de l'attaque de riff d'intro là. La fin de ce deuxième A. C'est pas. Et on retourne sur un A. Et donc là, on lance la rythmique country. Je crois que je ne t'aime plus. Ta peau est du papier de verre. Comme ça, la rythmique avec les attaques staccato, sans donc la partie B, le pré-refrain. Sans raison, je pleure, à gros bouillon, je pleure, comme devant un oignon, je la tiens. Arrêtons, refrain avec la rythmique country, arrêtons, là, là. À nouveau en gardant le truc country. Je crois que je ne t'aime plus. Relève-toi, relève-toi. Ne te mouche pas dans ma robe. Pas cette fois, relève-toi. Tu n'as plus d'odeur. Deuxième A. Lèvres sont le marbre de la tombe de notre amour. Elle m'a dit ça, son sang était froid. Et on retrouve le pré-refrain. Quand je fais l'amour avec toi, je pense à lui. Quand je fais l'amour avec lui, je ne pense plus à toi. Quel texte terrible. Je pense qu'on a tous connu ça une fois. Pense plus à toi. Refrain. À toi. La la la. La 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 la. Deuxième fois. M'a dit. La la la. La 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 la. Elle m'a dit. Couplet à nouveau. Donc encore le couplet avec la rythmique country. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ça a pété dans l'air comme un coup de tonnerre. Je crois que je ne t'aime plus. Je te regarde, je ne vois rien. Tes pas ne laissent plus de traces à côté des miens. Tes refrains vont pas. Je ne t'en veux plus. Je n'ai juste plus d'incendie. Au fond du ventre, c'est comme ça le refrain. Là. C'est là, je crois, qu'on a le premier, l'arrivée du, ah, du pont. Alors j'ai éteint la télé, je n'ai pas trouvé le courage de me jeter au rire d'amour des pluies de mon âge. Pour la 6 fois, ça finira pas. On retrouve l'intro 2 fois.
Bon, c'était un c'était un mini challenge pour moi d'arriver à le faire à cette vitesse-là d'un bout à l'autre. J'espère que je vous ai pas paumé finalement dans la pampa. Donc de toute façon, ce qui compte, c'est que vous écoutiez le morceau beaucoup, hein, ce que j'explique. Bon, ouais, c'est bien, mais il faut que vous l'ayez dans l'oreille vraiment, que vous entendiez les parties, vous sachiez vraiment les anticiper de manière à savoir comment les aborder, quoi. Parce que ça se trouve, je me suis peut-être planté, je sais pas, j'ai un petit doute comme ça. Bon, ça peut arriver, je suis navré, hein, je ne fais pas exprès. Et j'ai fait vraiment de mon mieux et j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà, que dire de plus si ce n'est amusez-vous bien. Et puis comme d'hab, hein, faites des covers, allez visiter galagomusic.com. À partir de janvier, peut-être février 2014, il y aura un forum sur Galagomusic où on pourra échanger et tout, ce sera plus pratique parce que je réponds aux messages qu'on m'envoie sur le site et tout, mais entre Facebook, YouTube et machin, c'est compliqué, donc on pourra vraiment communiquer, se créer notre petite communauté comme ça, toute sympa, sur le forum. Il y aura peut-être même des modérateurs que vous connaissez, enfin, en tous les cas, des noms que vous avez déjà entendus. Qui sait, on ne sait pas. Voilà, en tous les cas, bonne guitare, bonne musique, à bientôt, ciao.